Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Fragix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée un petit peu spéciale. Alors pour la première fois je vais pas commenter mon gameplay, je vais commenter le gameplay de Julien38. Alors il m'a proposé de commenter son gameplay très sympathiquement. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, donc voilà. Et pas de problème, si vous voulez que je commente une de vos parties, vous avez juste à m'envoyer un message, que ce soit sur YouTube, sur le PSN si vous m'avez en ami. Alors j'ai décidé, vu que je reçois pas mal de demandes des joueurs en ami, je vais toutes les accepter. Mais ça veut vraiment pas dire que je vais les jouer avec vous ou toute autre chose. Il se pourra que vous jouez avec moi. Mais par contre, il y a un truc que je déteste, c'est que vous joinez sans qu'on vous le demande, quoi. Donc évitez ça. Si j'ai envie de jouer avec vous, je vous enverrai une invitation ou tout simplement je vous dirai de join. Donc ça c'était pour la partie information. Et comme c'est pas moi qui commente, c'est pas moi qui joue pardon, je vais plus commenter le gameplay, vu que ça serait con de commenter le gameplay de quelqu'un en racontant sa vie. Alors on va commencer maintenant. Alors il a ramassé un AK-47 avec lance-grenade, mais bon il va pas l'utiliser. Et là il fait du ce que j'appelle du zone camping. Enfin, ça veut vraiment rien dire, hein. Mais en fait c'est qu'il se cache à un endroit et il surveille une zone bien précise en fait. Oui ok, ça peut être assimilé au vrai camping. Enfin, genre le mec qui bouge vraiment pas, quoi. C'est ça que j'appelle du camping. C'est le mec qui se met derrière une claymore, qui regarde le même endroit tout le temps, alors que lui il essaye de bouger un petit peu. Donc il peut se faire tuer si un ennemi arrive à un endroit. Bah regardez, comme là il était caché derrière une voiture et il suffit de balancer une grenade sur la bagnole et ça l'a fait exploser. Alors pour ce qui est de sa classe, il va changer plus tard dans la vidéo. Alors pour le moment il joue avec le Spass 12 silencieux, avec un très beau camouflage tigre. Je trouve que ça rend vraiment bien sur le Spass 12. Il joue avec fantôme, donc c'est sans froid, ça vous permet de rester invisible sur les radars. Avec passe-passe, je sais plus, franchement je sais plus. Donc là il vient de ramasser un AKU. Je sais pas si c'est vraiment passe-passe en fait. On va dire que c'est passe-passe pour l'instant. Fais-toi tuer s'il te plaît, merci. Donc c'est... Non, c'est visée solide. Alors ce qui améliore la visée au jugé. Pour un Spass 12, je trouve ça assez utile. Étant donné qu'il vise pas, ça doit beaucoup l'aider. Et en troisième atout, marathon. Alors ce qui sert de courir beaucoup plus longtemps, sur une plus grande distance. Moi personnellement, dans cette map, j'aurais pas fait une classe comme ça. J'aurais plutôt fait une classe avec passe-passe en tout cas. Peut-être avec implacable. Et en troisième atout, ouais, j'aurais mis aussi marathon. Alors là, il fait une petite séquence au Yui. D'ailleurs, je savais vraiment pas qu'on pouvait zoomer en faisant L1. Donc je l'ai découvert dans cette vidéo, donc merci à toi de m'avoir fait découvrir ça. Ça m'aide beaucoup. Alors là, il fait du spawn kill. Enfin, du spawn kill sur Nocturne, c'est pas bien difficile à faire. Hein. Même sans Yui, vous pouvez facilement y arriver. Bon, par contre, ce qui est assez chiant, c'est qu'il y a une maison à côté. Oh là là, il fait un bel enchaînement. Il y a une maison à côté, donc si vos adversaires ont le temps de s'abriter, ben ils en sortiront plus jusqu'à ce que votre Yui soit détruit par un de leurs coéquipiers ou tout simplement qui se casse. Donc ouais, il a eu assez de chance, hein. Ils sont pas tous rentrés. À un moment si, mais je crois qu'il en a réussi à en avoir quelques-uns. Donc il a pris sa classe AK-74U. Alors voilà, exactement la classe. Je vous jure que j'ai pas fait exprès en fait. C'est la première fois que je regarde cette vidéo. Donc c'est limite du live. Et vous vous rappelez de la classe que j'ai dit avec laquelle je jouais? Bah c'est exactement celle-là. Donc implacable, passe-passe et marathon. Alors bah GG à toi de d'avoir trouvé quelle classe je ferai. Alors il commence à enchaîner pas mal, hein. Il retourne dans sa zone. Ça doit être un assez bon spot vu le nombre de kills qu'il fait. Donc j'essaierai hein, d'aller à cet endroit pour voir ce que ça donne.
Ah, tiens, une RCXD qui passe. Donc il ramasse un AK-74 avec lance-grenade. On vive la noobitude, mais il va pas l'utiliser. Et ça, c'est un beau geste. C'est magnifique. Ouais, j'ai rien dit. Je pensais qu'il allait pas l'utiliser. Bah, finalement, il l'utilise. Je sais pas s'il va faire un kill. Bah, si, il va faire un kill. Honte à toi. Tout ça pour avoir un Yui. Et là, il va très certainement débloquer les chiens. Voilà. Exactement. Oula, oui, il les a balancés. Alors là, il y a toujours des petits kékés qui campent dans ces positions. Putain, mais décidément. Il ramasse un AK-47, pardon, avec lance-grenade aussi et même camouflage. Alors là, franchement, on dirait que c'est vraiment les mêmes armes. Regardez. Je sais pas si vous avez bien calé l'image du AK-47. Oui, je me suis pas trompé. Et le AK-74U, c'est vraiment la même. Y a rien à dire. Alors là, il enchaîne avec ses chiens. Il fait un triple, un quad feed maintenant. Ah, il se fait tuer par... J'ai cru qu'il s'est fait tuer par un chien, mais non, pas du tout. Alors les chiens dans Nuketown, ça sert énormément. Vu que c'est une toute petite map, les chiens, en plus, ils courent vite. Donc ils font énormément de kills. Ah, déjà, faut réussir à les avoir. Bon, si on a un minimum de talent, je vais pas dire talent, un minimum de stratégie, on va dire, parce que c'est sûr que dans Nuketown, faut pas foncer comme un bœuf dans le spawn ennemi, hein. Faut vraiment essayer de se couvrir un maximum. Et ça, c'est un truc que j'aime bien dans cette map, c'est toutes les maps petites comme Rust sur Modern Warfare 2 ou encore Cargaison dans Code 4, c'était des maps vraiment bourrines, donc elles étaient plus petites que Nuketown. Et là, je trouve qu'ils ont fait un bon travail à ce niveau-là. C'est un des seuls d'ailleurs. Et bah, elle est pas énorme cette map. Elle est pas si petite que ça quand on y pense. Hein. Elle est plus allongée que Rust par exemple. Rust il était plutôt allongé mais en hauteur si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y avait un point central, c'est-à-dire le puits de forage. Il me semble que c'est ça ou un truc du genre. Et bah, y avait trois étages. Oui, c'est bien ça. Et après, aux alentours, c'était très petit quand même. Alors que là, c'est plus allongé. Il y a des bâtiments, donc il y a des étages. Et ça, je trouve que c'est bien pensé. Donc c'est une des meilleures maps. Hein. Ça, je vous le cache pas. D'ailleurs, à propos de ça, la map que je peux pas caler, c'est Crisis. Je la déteste, cette map, tout simplement. Je préfère largement Firing Range. Ou Firing Range, pour la faire à l'américaine. Alors oui, j'avais oublié de préciser qu'il joue avec poignée. Alors ça, ça dépend votre maîtrise du AK-74U. Alors moi, personnellement, j'ai pas besoin de la poignée, même si je gère pas énormément les reculs des armes. Il me faut un temps d'adaptation. Alors là, c'est très intelligent ce qu'il a fait. Il s'est retourné, il s'est caché derrière les cartons. Bon, ça doit pas protéger plus que ça un carton, mais bon. Oui, donc je disais que je jouais moi avec le chargeur grande capacité sur le AK-74U parce que les munitions, faut bien le dire, elles partent assez vite. Hein. Toutes les armes ont 30 balles. Avec chargeur amélioré, elles en ont 45. Et même avec 45, ça s'épuise beaucoup plus. À peu près, je pense qu'avec un AK-74U, vous pouvez faire 6 ou 7 kills en tout cas avec un chargeur amélioré. Donc sans chargeur, vous en faisiez 5. Et quand on sait que par exemple pour avoir des chiens d'attaque, il faut faire 11 kills ou 10 si on a un placable, faut vraiment ramasser une arme ou alors faut bien vous démerder à l'arme secondaire. Et ça, je trouve que c'est dommage d'avoir mis la même capacité de chargeur sur toutes les armes. Enfin, sauf sur les fusils mitrailleurs, mais ça, vous l'avez compris. Hein. Ils vont pas mettre un fusil mitrailleur avec 30 balles. Ce serait vraiment du foutage de gueule. Ce serait pas le premier de la part de Treyarch. Hein. Donc là, il essaye de s'infiltrer dans le spawn, mais le spawn s'est déplacé entre temps. D'ailleurs, la partie va bientôt se terminer. Je vais faire une autre vidéo. Sur le mode de jeu multijoueur d'Assassin's Creed Brotherhood.
Donc je sais pas si je vais trouver une partie, en tout cas ce sera du live. Parce que j'ai pas mal de choses à dire, là c'était plus du... J'ai commenté le gameplay en fait. Enfin je l'ai pas... J'ai pas tout commenté non plus parce que j'aime pas trop enfin qu'on dise... Ouais alors là il tire, là il vise le mec, il tire, il le tue, il lance une grenade. Enfin vous avez des yeux, vous le voyez bien. Bon, faut quand même commenter un minimum. Mais voilà, c'était juste pour dire ça. Alors ben je vous remercie d'avoir regardé. Et je vais poser un copyright sur la fin de mes vidéos, c'est-à-dire que je vais dire une expression que personne n'aura le droit de dire, sous peine de poursuite judiciaire. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, aimez, commentez, et à plus tout le monde. Enjoy!